Je lui avais déjà fait un bref résumé de comment les femmes sont organisées ici, de quel type d'appui elles ont besoin, etc. Et je sors satisfait de cette rencontre parce que tout simplement, elle a compris que c'est des femmes d'abord travailleuses qui ont leur rôle à jouer dans l'atteinte de l'autosuffisance en riz et qui ont juste besoin qu'on les accompagne par la mise à disposition de financement. Vous avez entendu, elle a annoncé un chiffre qui, pour nous, est une première étape dans l'accompagnement. 50 millions de francs CFA pour 69 groupements, peut-être 70 groupements, je trouve que c'est déjà pas mal. Et je reste persuadé qu'avec tous les échanges qu'on a eus, on ira beaucoup plus en avant, puisque elle souhaite, de la même manière qu'elle a accompagné la mise en place d'une riserie à plus de 135 millions, elle souhaite que cela puisse se faire avec toutes les femmes transformatrices dans la vallée. Donc vraiment, nous sommes très très satisfaits de cette visite, de cette rencontre. Je suis persuadé que les femmes vont encore plus se donner pour vraiment exceller dans leur activité principale qui est l'agriculture. Oui, tout à fait. Vous savez, la principale doléance qu'elle m'avait faite juste après mon élection à la tête de la mairie de Rospetio, c'était de les aider à bénéficier d'un financement revolving. Alors, on a fait toutes les études et en 2016-2017, moi je leur avais accordé un financement. Et pour moi, c'était juste un premier pas qu'il fallait faire. Mais je me suis rendu compte que moins de deux ans après, elles ont réussi à tripler ce financement. Actuellement, elles en sont à plus de 15 millions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'ici 4, 5, 6 ans, elles risquent d'atteindre un niveau que les gens ne soupçonnaient même pas. Et ça, le ministre en est agréablement surpris. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de les accompagner en leur octroyant 50 millions dans un premier temps.